Ça marche pas. Ça marche là? Oui. Là, comme ça? Et oui. Ok, ça vaut mieux voir. Derrière. Donc, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Jessica Martial. C'est la première femme qui remporte un groupe 1 sur un pur sang ici à Longchamp, en France. Voilà. Donc, félicitations. I've got with me Jessica Martial, who's just written her name into the history books by becoming the first woman to ride a Group 1 winner in France on the flat. So, well done. Jessica, nous, on s'est connus quand vous étiez amateur. C'était il y a longtemps. Oui. Là, vous gagnez un groupe 1. Racontez un petit peu vos émotions et parlez bien dans le micro. Oui. C'est vrai, je suis arrivée en France comme cavalière. Je ne savais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. Et je sais pas, toutes les fois après le poteau, c'est bizarre. Je me demande si vraiment je suis là et j'arrive à lâcher les émotions après toutes les fois quand je vois Charlie. C'est incroyable. So Jessica first came to France as a amateur rider. She said she can't believe all the way she's made to be here today. And she said when she came past the winning post was she could all she could think of was Charlie, her husband, partner, and they've got their little son here as well. So the whole family is here to witness this incredible event. We thought today maybe Abel was writing history, but you did. Ladies Day. Racontez-nous un petit peu la course, comment ça s'est passé pour vous, parce que vous n'étiez finalement pas dans le groupe où il y a eu des petits frottements derrière. J'ai pas vu. Vous n'avez rien vu, donc racontez un petit peu. En fait, on voulait absolument soigner le départ. Je pense que si j'avais une pouliche qu'elle avait plus de vitesse en sortant des boîtes, je me retrouvais à la place de la jument de mon frère, donc à la place de Lanfranco. Mais bon, du coup, une fois que j'étais quand même bien positionnée, ma pouliche était vraiment détendue. Du coup, bon, peut-être franchement qu'elle allait peut-être un peu plus vite que le normal. Sur la ligne droite finale, j'ai essayé un peu de vouloir aller plus sur la sortie, mais en fait, à droite, il s'est ouvert un boulevard. Du coup, je suis allée proprement dans mon boulevard et elle a accéléré très, très bien. Les 200, peut-être 150 mètres de la course, elle a un petit peu lâché, mais quand elle a vu l'autre arriver à l'intérieur, elle m'a donné encore un coup de rein. Et après, franchement, je me dis, non, mais je suis en train de la gagner. So, I asked Jessica to tell us a little bit about her race, and she said that if the filly had come out a little bit quicker out of the stall, she would have been able to get the position, a better position. But she said she was fine where she was. And when it opened, she said, you know, I had to go. And at that point, she was going for it. And at some point, she couldn't even believe that that she was winning. Donc, que des émotions très, très fortes. Alors, vous êtes sur Zoom. On a des journalistes partout dans le monde qui suivent là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre âge, depuis quand vous montez, d'où vous venez? Parce qu'il y a toute une histoire de famille. So I've just asked Jessica to tell us a little bit about her background, which she will do, and then I will translate. Hier soir, j'ai publié une photo sur Facebook où j'étais avec ma ponette, mon Shetland. Je pense que j'avais 4-5 ans à aller courir. Et je pense que c'est la description plus importante pour moi parce que je suis cette petite fille de l'année 90, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, qui a tout le temps aimé les chevaux. Mon père était jockey et je suis née dans une famille de chevaux comme les Rossi, d'ailleurs. Et je commençais à faire les concours hippiques parce que j'avais besoin d'apprendre bien à monter à cheval. Et ben, une petite excuse pour apprendre, en fait, c'est commencé à devenir ma passion. À 18 ans, par contre, les courses, ils m'ont repris. J'ai fait la licence de cavalière. J'ai gagné, en 2013, la Feijanterie. Ça m'a donné... C'était un des années plus beaux, peut-être, de ma vie, parce que j'ai connu beaucoup du monde, comme vous, d'ailleurs. J'ai bien appris l'anglais et les différents mondes des chevaux. Parce que j'ai monté en Amérique, j'ai gagné le Maurice. Et aujourd'hui, je suis là comme jockey. Parce que dans 2014, je voulais juste être... apprendre un peu plus et voir mes limites. Mais je ne pensais pas d'arriver à 30 ans à gagner un groupe 1. Hein. Mais comme je dis toujours, c'est les chevaux qui font le jockey. Donc, elle nous a donné
la joie plus belle, un poulet acheté à réclamer, un propriétaire pas connu dans le monde des chevaux, un entraîneur qui essaie de se mettre dans le monde des grands et une femme jockey. Je ne suis même pas dans le top 10 des femmes jockey. C'est un roman que tu fais là. Je suis là. Il faut que je me rappelle de tout ce qu'elle dit là, surtout pour traduire. So I'm going to try and remember everything that that Jessica told us, but I might need a little bit of help. So Jessica was born in Italy. Her father was a jockey. Her brother is a trainer. So was a jockey, is a trainer. Her husband is a trainer. So it's a racing family where she was born. She started riding ponies when she was a young girl in the 1990s. She's now 30 years old. She didn't think she would win a race, get to 30 and win a Group 1 race. She started off as an amateur rider. She was 2013. She was the Fagentry World Champion female rider. And she started off riding as a jockey, riding and claiming races and everything, and worked her way up. And now she won a group one race. Je vais maintenant donner la parole à Charlie Rossi, l'entraîneur. Donc, pour vous, ça représente quoi que vous avez donné la chance, une opportunité à une femme de monter dans un groupe 1 et voilà. Donc c'était en question. Est-ce que c'était toujours sûr qu'elle allait garder la monte dans ce groupe 1? Alors déjà, le premier responsable, c'est le monsieur à droite, parce que moi, j'aurais jamais fait ça, étant donné que je suis dans le milieu des courses depuis un moment. Et que ça ne s'est jamais fait. Donc, pour ne pas paraître fou, je ne l'aurais pas fait. Après, ce monsieur-là, il est amoureux de ma femme. Peut-être vous pouvez dire qui c'est ce monsieur pour les gens qui vous voient ce jour. Il se présentera après. Croyez-moi, vous allez en avoir assez. Non, moi, je ne l'aurais jamais fait. C'était quelque chose d'assez fou. Et il vaut mieux rien faire que paraître fou. Right. So, I asked the trainer if he... how he felt about giving Jessica the opportunity to ride in a Group 1. And he said, well, actually, I've been in this business for a long time and it's something I wouldn't have done. But he said, I've got someone sitting here to my right, an owner who was, he actually said, is crazy enough to have done it. And so this is how it all came about. Donc aujourd'hui, la grande satisfaction, comment vous avez vécu la course? Je pense que je n'ai pas encore réalisé. C'est quelque chose d'incroyable. De faire ça, j'ai travaillé pendant 10 ans pour Manamed. Je savais la pression et les chevaux qu'il fallait pour gagner des grandes courses comme ça. Et ce n'était pas du tout le profil, notre profil à nous. C'est une pouliche qu'on a acheté à réclamer, qui a des petits problèmes. Rien de grave, mais elle a des petits soucis. Et elle montre qu'elle est surtout, elle se dépasse. Elle se surpasse tout le temps. Avec des chevaux plus beaux, plus grands qu'elle, et elle donne tout ce qu'elle a et elle fait un magnifique couple avec ma femme. So I asked him how he felt about this now, and he said he was the assistant cricket head for 10 years, and he says I know what it means to get horses into these big races and to get them ready and everything, and he said I don't think I've actually realized yet what has happened, and that is my wife who won this for me with this filly. But they always believed in the filly. He said, even though she came out of a claimer, she was bought for, c'était 40 000, c'est, quel était? 24 000 euros. She was bought for 24,000 euros out of a claimer. And there we have, do you take him? Yeah. Take him, please. If he wants to be on camera. yeah, so 24,000 euros she cost, and but he said she's always she showed that she wanted to be with the best, and she is now the best filly. Avant que je donne la parole au propriétaire, juste vite, est-ce qu'elle va recourir cette année? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Je suis désolée, mais c'est la question qu'on pose. Alors, comme vous pouvez voir, on est des gens un peu audacieux, on va dire. On est qualifié pour la Breeders' Cup. S'ils nous invitent, pourquoi pas y aller? En Amérique, j'aime bien. Et elle a monté aux États-Unis. Hein? Les Américaines, elles sont intéressantes. So, hein? I asked if she's going to run again, and Charlie said, well, you know that, as you can see, we are
You used the word audacious people who, you know, and she's qualified for the Breeders' Cup, so why not? And Jessica has ridden in America. Have you won in America? Yeah. Won in America, so... Mais la question, c'est, est-ce que la chèvre est invitée pour la Breeders' Cup? Parce qu'elle a une chèvre dans le box. Well, I will put on... So the question was asked, she has a goat in her box, and they want to know if the Breeders' Cup would be happy enough to invite also the... La chèvre, Tata. So Tata, the goat. So this is a question for the Breeders' Cup. Will the Breeders' Cup also invite Tata, the goat? We shall see. I will now give the word to the owner. Wait. Alors, il paraît que c'est vous qui êtes fou. Oui, je suis fou. Parlez bien dans le micro. Oui, je suis fou, mais c'est bon d'être fou de temps en temps, parce que ça nous permet, quand ça fonctionne, de vivre des aventures formidables. Et voilà, je ne regrette pas d'être fou de cette façon. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer une famille formidable qui m'a été présentée par mon fils. Je le cite, il est quelque part, mais il est avec nous. Et oui, il doit être malade. Et voilà, j'ai fait une très belle rencontre, une très belle famille. Je l'ai connu à Chantilly, je l'ai suivi à Marseille. On a vécu une aventure un petit peu, voilà, comme ça, avec un autre cheval qui nous a permis d'avoir Tiger. Grâce à Charlet, je l'ai suivi et il m'a écouté aussi. Je l'ai fait rêver parce que c'est un monsieur très professionnel. Je le fais rêver de temps en temps. Et surtout, ce que je suis le plus fier aujourd'hui, que je veux dire à la salle de journalistes, c'est que aujourd'hui, à part ma famille et tout ce qui va avec, aujourd'hui, je suis fier que ce soit Jessica, qui est la première femme jockey groupe 1 à Longchamp, avec une fantastique jument préparée par Charlet. Et ça me rend. Well, very emotional. He said he was he said, I'm crazy, but you know, you have to be crazy sometimes in life, otherwise the nice things don't happen. And I am happy to be crazy. He said, I was very lucky to have met, to have been introduced by my son to the family of Charlie Rossi and Jessica. And he said, above anything else, I am the proudest, obviously, of the filly, but I'm very, very proud that it was the filly who gave Jessica, who made Jessica the first woman in France, not just Longchamp, to win Longchamp. A Group One, and he is very emotional about it. Les courses ont déjà recommencé, donc je vous propose de fêter et de savourer. Thank you very much. Thank you.